Trois jours après la mort de 717 pèlerins à la Mecque, le grand moufti d'Arabie Saoudite a invoqué le sort et le destin. Il excuse ainsi le prince héritier et ministre de l'Intérieur qui préside la commission du Hajj. « Vous n'êtes pas responsable », a-t-il ajouté. Pourtant, des témoins soutiennent qu'une route avait été fermée près du site de lapidation et que les forces de sécurité ont mal géré le flux des pèlerins. L'Iran a aussi mis en cause la mauvaise gestion des autorités saoudiennes. Mais le discours du grand moufti fait mouche chez les pèlerins. « Je prie pour que ces victimes soient considérées comme des martyrs », explique celui-ci. « Nous voulons dire à leur famille que leur mort ne sera pas vaine. C'était la volonté d'Allah. » Les autorités saoudiennes n'ont toujours pas établi la liste des victimes par nationalité, ni publié les résultats de l'enquête. L'Iran, qui a annoncé la mort de 131 de ses pèlerins dans cette bousculade, a réclamé d'être associé à l'enquête. Des manifestations avaient lieu à Téhéran aujourd'hui.